Et les autres, ils font, comme presque tous, une double, Une une quadruple, triple, oui. une quadruple. Et ils sont très originaux au niveau de la bouteille et même au niveau de brassage. Ouais, c'est vrai. Salut les brasseurs et brasseuses, aujourd'hui on va déguster une ou un Orval. Très très carbonaté. Je trouve qu'on sent tout de suite un peu ce petit côté de bread, enfin le côté un peu funky, qui donne aussi, je trouve, un côté un peu acide de fruits rouges. Acide, fruité en même temps, à Super fruité. pomme. Sachant que elle est très jeune comme bière, elle a été mise en bouteille le 1er décembre 2021. La bouteille, c'est trop belle, Ouais. non? Je lisais d'ailleurs que c'est l'architecte qui a designé, on peut dire, le monastère, la dernière fois qu'elle a été redesignée, on va dire, qui a aussi fait la bouteille. Ah bon? Qui est une bouteille vraiment unique. C'est vraiment une bière à sentir, tu sais. Ah ouais. C'est très aromatique. Et c'est vraiment unique. Au niveau de la couleur, elle est plutôt cuivrée, non? Ouais, bien cuivré. Et orangée, et avec des reflets dorés. Elle est pas mal carbonatée. On Oui, voit beaucoup de encore là bruit. les bulles qui remontent. La mousse, mais elle est ultra dense. Enfin, elle est super belle. Presque comme chantilly, non? Oui, ouais, Et vraiment. bien fermé. Ah. On se lance? Oui, Santé. santé. J'ai pas envie de parler. C'est tellement légère. Ouais. Et à cause de la carbonatation, en fait, il y a la présence de malt caramel, mais à mon avis, pas si forte. Oui, non, Oh. non. C'est pas la première chose qu'on ressent, je trouve. On est vraiment sur ce qu'on sentait au niveau des arômes, c'est-à-dire vraiment le côté un petit peu acide, mais vraiment très léger. Et le côté, enfin, moi, en tout cas, je trouve, c'est vraiment les fruits acides, les fruits rouges, tout ça. Et aussi un peu le cidre, comme tu disais. En fait, il y a une texture presque comme le cidre. C'est tellement buvable et je ne sais pas combien de degrés il y a. C'est 6, je sais plus, c'est Ah, 6, 6,2. 6,2. Et l'amertume, en fait, c'est une amertume très très légère mais avec présence. Ouais, et je trouve qu'elle accompagne tout du long. Elle couvre le palais, mais légèrement. Bah, je lisais donc que dans la recette, c'était ils utilisaient du Syrian Golding. Et Hallertau. Ah oui, ok, ouais. Hallertau. Nous avons déjà beaucoup parlé de livres de Brew Like a Monk. Personnellement, je pense que ce livre, c'est une mine d'or. C'est Et clair. il y a quand même des gens qui se demandent quelle sorte de livre On peut lire pour on peut lire pour. s'enrichir, tout ça. Bon, je l'ai là. J'ai relu tout le paragraphe sur la ou l'Orval avant de commencer cette vidéo. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment quasiment 10 pages dédiées à l'Orval. Et ça finit avec on dirait la fiche de la recette. Oui, on a même une photo de la brasserie. Qui a l'air vachement bien pointu quand même. Comme la plupart Des brasseries. Oui, bah c'est des des monastères. monastères, oui. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils écrivaient d'ailleurs dedans, c'est qu'en général, les monastères, ils sont ultra bien équipés. Oui, en fait, si vous semez et vous voulez et répliquer. On dirait au moins commencer dans les bières trappistes. Je pense que ces livres-là, c'est très bon. Ouais. Il y a plein de recettes. Bah, d'ailleurs, c'est de ce livre-là qu'on a tiré notre recette de la triple au miel qu'on a dégustée la semaine dernière. La semaine dernière. Oui. Et aussi notre duel au raisin sec. Elle est sèche dans sa niveau. Ah, c'est vrai qu'elle est sèche. C'est très sèche, mais c'est pas agressif. L'amertume est très balancée, très bien équilibrée. Il y a des abonnés qui nous demandaient d'essayer de faire un Ouais, un clone clone d'Orval. d'Orval. Je pense que les clones, c'est très difficile à faire par rapport au niveau de fermentateur. Bah, le profil d'eau De aussi. la pression auquel et ça c'est fermant la bière. Sachant aussi, c'est dans le livre, mais ces bières-là,
c'est carbonaté à 5 volumes de CO2. Ah, je sais plus exactement. Ça, c'est la plus carbonatée de toutes. Oui. C'est 10 grammes par litre de sucre. Bah, c'est vraiment énorme. Et 5 volumes. Bah, c'est vrai que, on voyait hein, qu'elle était vraiment fort carbonatée. Moi, j'ai déjà fini mon. Bon, et pour la petite histoire, donc, la brasserie Orval, donc, elle est située dans un village dont je ne me souviens plus exactement du nom, mais qui finit par Orval. Et c'est une des plus vieilles, un des plus vieux monastères, qui est de 1800, non, n'importe quoi, de 1000 et quelques, de l'an 1000 et quelques. Et le premier brassin qui est enregistré, qui a été fait dans cette brasserie, il est de 1620 quelque chose ou 1630 quelque chose. Ensuite, les Français, ils l'ont détruit en 1790 et ça a été remis sur pied, on va dire, en 1920-1930. Donc, enfin, le monastère en lui-même, il y a déjà une histoire vraiment très fournie. Et s'il s'appelle Orval, c'est parce qu'il y avait une princesse, la princesse Mathilde, qui s'est mariée et qui a perdu son anneau de mariage dans un lac dans le coin. Et elle a prié pour retrouver cet anneau et il y a un poisson qui est sorti de l'eau avec son anneau dans la bouche. Je sais pas si on dit une bouche pour un poisson. Et du coup, elle a dit que c'était vraiment une vallée d'or, une vallée dorée, et donc à l'inverse, vallée dorée Orval. Donc ça vient de là, c'est pour ça que du coup, sur la capsule, on a un petit poisson avec un cerf, mais en fait, c'est un anneau. Et on a ça aussi d'ailleurs au fond de l'étiquette. Imagine-toi une truite, parce que je pense que l'histoire c'est une truite qui ramenait l'anneau de la... Du lac à la princesse Mathilde. Du lac, oui. Oui, ça va faire un peu flipper quand même. Hein. Pour revenir à l'idée du clone, donc c'est vrai qu'on a eu parfois la question et bah, je trouve ça pas mal. Hein. C'est un beau défi quand même. Oui. Ouais, donc je pense qu'on va la brasser rapidement, je pense, dans les semaines qui viennent. Et ben, vous en aurez des nouvelles dans les mois qui viennent. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de cette bière. Certainement que la plupart d'entre vous connaissent déjà la Orval et que peut-être que du coup vous avez quand même profité pour la goûter en même temps que nous. Mais donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos impressions. Peut-être que vous d'ailleurs, vous avez la chance d'en avoir eu une bien plus vieillie que la nôtre. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Santé. Pas santé, mais le cœur y est.